Bonsoir, imaginez une température de 38 degrés à l'ombre, c'est quand même beaucoup. Eh bien c'était cet après-midi, pas très très loin de chez nous, à Madrid. Ce sera le cas toute la semaine, au moins jusqu'à vendredi. Et c'est cette chaleur très très forte en ce moment en Espagne qui va nous influencer dans le courant des prochains jours, même si pour l'instant on n'est pas dans une masse d'air encore très très chaude. Ça s'apprête donc à bouger dans les prochaines 24 heures. Des conditions météo idéales, regardez la France vue du ciel cet après-midi, quasiment aucun nuage. On a un pays très 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 vert quand même. Et puis sous ce soleil éclatant, des températures qui ont atteint par exemple 25 à Paris ou 30 degrés à Marseille. Alors demain, même type de temps très ensoleillé quasiment partout. Le matin, quelques brumes possibles en Normandie ou en Bretagne. L'amélioration en Corse, encore du vent, mais beaucoup moins de nuages, plus d'orages, plus d'averses. Belle amélioration qui concernera donc la Corse le matin comme l'après-midi. L'après-midi, on aura de rares nuages près des côtes de la Manche ou en montagne, partout ailleurs. Ciel totalement bleu et des températures donc avec ce ciel dégagé qui baisse parfois fortement la nuit. Ça a été le cas la nuit dernière à Fontainebleau. Il a fait 5 degrés. On aura des températures encore inférieures à 10 degrés autour de l'Île-de-France et près du Massif central, 21 à Nice et puis l'après-midi, températures qui atteindront 27 à Paris jusqu'à 33 degrés à Agen, 30 degrés comme aujourd'hui à Marseille. Alors ces températures augmenteront encore d'un petit degré ou deux entre mercredi et jeudi. On dépassera même les 30 degrés sur la moitié nord par exemple à Nantes, 31 aussi à Marseille, jusqu'à 33 à Bordeaux et le temps parfaitement ensoleillé sur une grande partie de la France. Les vents absents là aussi, peut-être un vent un peu plus frais sur les côtes des Pays de la Loire. Et puis des nuages plus présents sur les régions autour de l'Île-de-France et également au nord de la Seine. Mais on n'aura pas d'averse, le temps va rester sec. Tout comme vendredi, qui sera vraiment le moment le plus chaud de la semaine et le plus ensoleillé, même si l'après-midi, on a quelques nuages supplémentaires en montagne. Là, ça pourrait donner quelques gouttes de pluie. Et puis déjà l'amorce de la dégradation qui arrivera en toute fin de journée par les côtes du Finistère, et ce sont ces nuages qui vont envahir l'ouest du pays dans un premier temps, et ensuite se décaler vers l'est samedi, avec au passage quelques averses possibles, mais aussi des éclaircies. Elles reviendront d'ailleurs par la Bretagne samedi, et on aura un temps encore très agréable en Méditerranée. Dimanche, les températures auront baissé, mais finalement on aura une belle journée. On pourra par exemple prévoir un déjeuner au soleil, ou vraiment beaucoup de temps en extérieur, car il y aura beaucoup d'éclaircies. Un peu moins, c'est vrai, près des côtes de la Manche, davantage en allant vers la Méditerranée. Et puis l'amélioration se poursuivra lundi et mardi prochain, avec des nuages encore présents sur les régions du nord-est. Retour du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée, même type de temps pour mardi, avec un indice de confiance qui reste encore assez moyen. Donc des précisions à prévoir dans les prochains jours. Et puis, en ce moment, ce sont les premiers coups de sécateur des vendanges, les premières vendanges de l'année en France, à Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales. C'est traditionnel à cette période de l'année. La spécificité cette année, en raison du très mauvais printemps qu'on a eu, on a 15 jours de retard sur ces vendanges qui vont donc se poursuivre dans le courant des prochains jours. Cette nuit, c'est la pleine lune. Passez une bonne soirée sur France 2. On entend que Mozart s'impatiente. On retrouve tout de suite Stéphane Bern. À demain.